Mais moi, j'ai rien touché, ça a marché très bien l'année dernière. Hein. Mmh. L'année dernière, elle a marché très bien et on a rien touché depuis. Ouais, mais là, elle est débranchée. Ça fait exactement un mois et demi que j'ai pas de chauffage à la maison. Un mois et demi que je vis le matin avec 16 degrés à la maison, c'est vraiment infâme. Et depuis ce matin, j'ai enfin le chauffage, mon Dieu. Une galère, incroyable. Mon gars, je me suis fait prank, hein, encore une fois. Enfin, c'est pas YouTube, c'est la putain de régie de l'appartement qui m'a prank. Un mois et demi pour avoir du chauffage. Un mois et demi, je me réveille, il fait 16 degrés chez moi. J'ai un jogging, deux pulls, une paire de chaussettes, un plaid et une bouillotte sur moi, mais comme un vieux. On s'en bat les couilles, c'est ce que je dis. Non, on n'est pas là venu pour ça. On n'est pas venu pour ça. On est venu pour tester un truc. Ouais, ça, le skate, ça fatigue. Il me faut un boosted board. Putain. Allez. Oh, ouais, vraiment. Ils vont pranker, ouais. Bon, si je viens ici, là je suis dans le noir, attendez, si je viens ici c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, déjà d'une, le soleil se couche, ça fait une très belle lumière, et je voulais du coup vous présenter les articles que j'ai reçus hier de Rhino Shield, donc du coup je vous le redis, c'est pas une vidéo sponsorisée, j'en fais une seconde parce que comme ça, je dispatche ça en deux parties, parce que hier je pouvais pas. Du coup j'ai reçu 4 objectifs différents, j'ai reçu un super grand angle x 0,6, vraiment très imposant. Le suivant c'est un macro, donc je sais pas si vous savez ce que c'est le macro, c'est pour faire des images très rapprochées, très très proches par exemple du sol. Ensuite j'ai un super grand angle, cette fois-ci en 0,4, donc vraiment pour le coup bon, il est plus petit. Vous rappelez à l'époque de Norman faisait des vidéos avec les podcasts en fisheye à Paris. Là j'ai un fisheye en 180 degrés, c'est pas ce que je préfère, ça fait un style, pourquoi pas, bref, on va essayer tout cela. Faut bien avoir la coque avec l'adaptateur là, il y a un adaptateur pour la visser. Testons ça, c'est parti. Donc du coup pour ça on va faire un truc très très simple, je vais rester ici, je vais pas bouger du tout d'une seule façon, je vais carrément même mettre en mode manuel comme ça bougera plus, il y aura plus d'autofocus qui suivra mon visage. Je vais mettre en mode vidéo, voilà, je le mets simplement entre le micro et l'objectif, ça tient. On commence du coup avec le super grand angle en 0,4, donc là vous voyez directement avec la caméra le 16-35 Canon 6D Mark II, et là on est avec le téléphone, donc là on est en 0,4 super grand angle. Je sais pas si vous voyez vraiment une différence avec la caméra, je sais pas, normalement oui vous allez voir une différence. Par contre normalement si je commence à le retirer, pas le faire tomber, hop, oui, une petite différence. Donc voilà, ça c'était le haute définition super wide lens 0,4. Donc celui-ci ça va être très très cool pour faire des photos également. Maintenant avec le téléphone là on n'est plus rien, on est simplement avec le téléphone normal, avec le capteur normal. Maintenant je mets celui-ci super grand angle en 0,6. Donc là on voit en normal avec le téléphone, tout à fait normal. Et maintenant, oui ça bouge un petit peu parce que vu que l'objectif est très très gros, du coup ça bascule vu que c'est pas fait exprès pour tenir. Normalement là c'est grand. Ça fait même carrément déformer au téléphone. Mon bras normalement est beaucoup plus. Genre il plonge. Ok, maintenant on est passé du coup sur le téléphone sans capteur ni rien. Je l'ai remis correctement pour qu'il tienne correctement parce que vraiment je vous dis que là c'est la galère, ça tient à peine. On va passer du coup maintenant sur un truc totalement différent. Vous vous rappelez du coup le fisheye, c'est petit comme ça, hein. C'est ça un fisheye. Il fait froid. Quand je fais ça, ça fait mal. Et du coup, vous avez compris à quoi ça ressemble le fisheye. C'est un peu spécial, c'est pas ce que je préfère. C'est un style de vidéo, ça peut donner un style vraiment pour le coup. C'est un style, c'est pas ce que je préfère, mais pourquoi pas. Le dernier, totalement différent, je vais reprendre l'iPhone et me filmer avec la caméra. On passe sur le macro. C'est pas ce que je préférais hier, mais j'ai kiffé. Bon, concernant ce macro, faut savoir un truc, c'est qu'il y a deux parties dans cet objectif macro. Je trouve qu'il est vraiment très très cool, parce que vous allez voir, ça va donner un effet vraiment très sympa. Donc je lance la vidéo maintenant, voilà, donc du coup là on filme, qui se dévisse, oh, la lumière, très jolie, et quand je retire, ça fait tout flou, et quand je m'approche,
Mon sac est dégueulasse. Vraiment, vraiment ouf. C'est pour ça que je vous ai dit que hier, j'étais pas très fan. Il faut vraiment se coller par contre. Hein. Mais. Je kiffe. Je kiffe vraiment. Je vais quand je sortirai maintenant avec mon téléphone, j'irai mon Wildlands. C'est sur mon, ma story Instagram. Je prendrai des belles photos en Wildlands pour tester un petit peu ça. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, c'est juste à côté, c'est juste ici. En tout cas, voilà une petite review vraiment. C'est fait comme ça sur un coup de tête, comme je vous l'ai dit. Vu que je fais une vidéo par jour, c'est un peu compliqué de prévoir tout ça. Il fait nuit, j'ai encore des trucs à faire ce soir. Je vais acheter encore quelque chose ensuite. Mais bon, voilà. Putain, ce lieu juste fabuleux. Hein. Je vous dis avant de partir, j'ai attendu 10 minutes ici. Avec le coucher de soleil, je vous mets quelques photos que j'ai fait. Incroyable, rien à dire. Hein. C'est. Le coucher de soleil, c'est là, il est insane. Vous vous souvenez, sur mon bureau derrière moi, mon bureau, quand je parle facecam, j'ai une lumière de couleur rose d'habitude que je mets de toutes les couleurs. J'adore ça, j'adore le style, l'ambiance que ça donne, et j'ai envie de m'en racheter. Pas une Philips, pas comme celle-ci, parce que celle-ci coûte trop cher, celle que j'ai, mais on va en racheter une. J'ai envie. Allez, c'est parti. Lumière c'est acheté, j'en ai chopé, on verra si j'ai le temps de les installer en rentrant. Maintenant direction Orange. Il y a une petite soirée cool, j'ai été invité pour découvrir des trucs cool. On y va ensemble. Je suis un peu en retard, merde. Vous pouvez mettre votre propre mélange d'huile essentielle. Ouais, ça c'est chouette. Donc c'est pour, alors c'est pas tant un diffuseur. Donc là c'est un peu l'équivalent de l'AirPod. Alors bon, je sors de chez Orange, c'était très, très cool, la petite ambiance cozy, cocooning, sympa entre un petit groupe. On a découvert les objets connectés, les nouveaux objets que Orange vend. Il nous est présenté, c'est vraiment très cool, il y a des trucs vraiment sympas. Et je crois que maintenant, c'est ses copines qui font apéro à la maison. Donc, je suis éclaté, la vie de ma mère, je suis éclaté. Bonjour. C'est mieux avec ou sans? Ce que je voulais dire récemment dans le vlog, enfin plutôt dans le vlog surtout, j'ai envie de changer un petit peu ce studio, parce que oui c'est mon studio, j'appelle ça mon studio, même si c'est pas forcément un vrai studio, c'est simplement plutôt un bureau. Et j'ai envie de changer un petit peu au fur et à mesure, j'aime pas rester dans mon confort, j'aime changer les choses. Et aujourd'hui j'avais envie de changer la lumière, enfin la lumière celle-ci elle va rester ici, mais j'avais envie de racheter une petite parce que bon. Du coup j'ai acheté ça tout à l'heure à Maxi Bazar à Lyon, si vous voulez choper ça c'est à Maxi Bazar, voilà. Donc du coup je me suis fait un peu niquer parce qu'il n'y avait pas forcément ce que je voulais. Je voulais ça de toutes les couleurs, mais là du coup j'ai trouvé que en blanc froid, donc du coup autant vous dire, ça va faire une lumière très très froide, très très blanche, hein, pas blanc chaud comme du blanc jaune quoi, t'as compris, bref ta gueule. Et j'ai également acheté ça, donc ça c'est, je sais pas où je vais le mettre, ça m'a coûté que dalle, je crois que ça a coûté 3€, c'était que dalle, ça marche à pile. C'est un ruban de 1 mètre avec 30 LED, blanc froid, lumière fixe. Oh merde. Pourquoi j'ai acheté du blanc froid, il y avait des couleurs, j'ai acheté le mauvais. J'ai acheté deux blancs froids, ça va servir à quoi? J'ai 3 mètres et 5 et 1 mètre, j'ai 4 mètres de blanc froid, ça sert à quoi? J'espère que ça vous plaît, ça c'est beau gosse, franchement ça me plaît, c'est vraiment très très beau, j'aime beaucoup. On va mettre à peine comme ça, regardez, et si je fais ça en fait, la reconnaissance du doigt ça marche pas sur le téléphone, ça m'en fout. Si je mets un petit bleu bleu, ou carrément un rouge bleu, oh mon dieu. Oh god,
C'est ce que je voulais. Putain, moi je kiffe vraiment. Je kiffe vraiment, vraiment. C'est très très beau, cette couleur un peu saumon et bleu très très froid. C'est un très léger bleu dans du blanc. J'adore. En tout cas, j'ai vraiment kiffé. J'espère que tous ces optiques de Rhinoshield vous ont fait kiffer. N'oubliez pas, j'ai un code JS15 que je vous ai mis dans la vidéo d'hier. J'étais pas au courant au moment où la tournée, j'avais un code de 15%. J'ai reçu ensuite après. Demain, nouvelle vidéo, nouveau vlog. Donc c'est parti, à demain. Il est fait le montage. Allez, ciao, merci.